Thank you.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, tu vas t'agenouiller et nous allons adorer le roi des rois. Alléluia. 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 Mise Jesus da ga, mise Jesus da ga, mise Jesus da ga, Amen, 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 alléluia.
Seigneur Jésus-Christ, qui a permis que les hommes de Dieu ils sont venus pour nous visiter ce matin. Alléluia. Pour les restes, je vais les laisser le micro. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? 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 Alléluia. 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 Jésus. Qui attend Jésus? Qui attend Jésus? Alléluia. Ici, nous avons à côté de nous l'homme de Dieu, apôtre Paul. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? 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 Jésus. 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 Alléluia. 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 Amen. Je ne sais pas si ici là, il y a quelqu'un qui est en vie. Alléluia. Amen. Les deux personnes j'entends ici. Alléluia. Amen. Regarde s'il y a quelqu'un à côté de toi. Alléluia. Amen. Non, il y a que moi ici. Alléluia. Amen. Il faut que votre mère là aille au ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus. 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 Seigneur, que ta présence se manifeste en ce
ce lieu. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, nous t'appelons descends. Descends au milieu de nous. Ne sommes pas devant des idoles. Nous n'adorons pas, oh Seigneur Jésus, des idoles. Mais nous adorons le véritable Dieu. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, manifeste ta présence au milieu de nous. Manifeste ta présence au milieu de nous. Esprit de Dieu, descends ce matin. Descends, nous voulons te sentir. Nous voulons te recevoir ce matin. Seigneur Jésus, ce qui est en ce lieu et qui trouble la quiétude des enfants et qui est là pour empêcher que des enfants reçoivent la transformation. Je prie que ce matin, que le châtiment de feu descende dans ce lieu. Amen. Que toutes les puissances des ténèbres, les forces territoriales qui opèrent en ce lieu, soient ébranlées au nom de Jésus. Amen. Soient ébranlées au nom de Jésus. Amen. Soient ébranlées au nom de Jésus. Que les sept années de l'éternel fassent tant de la foi en ce lieu. Amen. Seigneur Jésus, que ton règne descende. Que ton règne vienne en ce lieu. Et que ton nom soit sanctifié ici, Seigneur Jésus. Papa, tout ce que nous allons dire en ce moment, conduis-nous, Seigneur. Ouvre l'intelligence de tes enfants, afin de recevoir et de comprendre ta parole. Seigneur, que ce matin, Papa, que tes enfants rentrent chez eux tout bénis. Qu'ils rentrent tout chez eux tout transformés. Et que ton Église se fortifie davantage. Amen. Seigneur Jésus, reçois la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Père Jésus, je vous salue ce matin dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas s'il y a des interprètes. Qu'est-ce qu'il y a pu interpréter, enfant? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit à interpréter, enfant? Bénissez. Alléluia. Vous allez nous aider à interpréter la parole, tout ce que nous avons dit, afin que le message soit compris dans toute sa valeur. Amen. Hein? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, nous sommes dans la joie ce matin. De vous rendre visite. Alléluia. Amen. En réalité, nous sommes les messagers de quelqu'un. C'est quelqu'un qui nous a envoyés ici. Et c'est quelqu'un, c'est votre père. Votre père que vous ne voyez pas. Mais vous sentez sa présence dans votre vie. Votre père, lorsque vous êtes dans la détresse, vous criez vers lui et vous demandez au secours. Et il descend et se manifeste. C'est votre Père qui nous a envoyé ce matin. Donc si nous sommes là, en réalité nous portons un message pour vous. C'est comme le président de la République. Il a appris que dans une localité du pays, il y a un problème. Et les populations sont dans l'angoisse. Et il va envoyer des missionnaires pour aller consoler la population. Pour aller apporter le message. Alléluia. Amen. Et vous savez très bien, lorsque le président envoie des messagers quelque part, ces messagers ne viennent jamais les mêmes vite. Alléluia. Amen. Il vient toujours avec quelque chose. Alléluia. Amen. Pour donner la joie, pour transmettre la joie du président. Et chacun de mes contents. Il y a certains qui reçoivent des sacs de riz. Certains qui reçoivent des bidons d'huile. Certains qui reçoivent des pots de sucre. Certains qui reçoivent des cahiers. Etc. Mais chacun reçoit quelque chose. Et tout le monde rentre à la maison tout joyeux parce que notre président vous a visité. Mais le président qui vous visite ce matin, c'est pas le président Chanel. Alléluia. Amen. C'est le président de tous les présidents. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, il y a une chanson que vous chantez. On dit,
Maintenant, Jésus s'est levé. Et Satan est terrassé. Le bâtiment. Arrête, ce n'est pas Satan qui est terrassé. C'est vos problèmes qui sont terrassés. Alléluia. Amen. C'est vos douleurs qui sont terrassées. C'est vos maladies qui sont terrassées. Dis à celui qui est à côté de toi, tes maladies sont déjà terrassées. Parce que Jésus s'est déjà levé. Jésus s'est déjà levé. Tu es avec lui. Jésus l'a déjà terrassé. Les populaires qui te poursuivent. Les rouleurs qui te maudissent. Jésus les a déjà terrassés. Nous avons la victoire. Alléluia. Acclamons le Seigneur Jésus. C'est ce message que le Seigneur m'envoie. Le Seigneur dit que c'est lui qui a fait l'aveu. C'est lui qui a fait l'impotent. Alléluia. C'est lui qui a fait le pauvre. C'est lui qui a fait le riche. C'est lui qui a fait le plein. C'est lui qui a fait le plein. C'est lui qui a fait le noir. C'est lui qui a fait le chinois. Alléluia. Il a fait pour une raison. Alléluia. Il a fait pour une raison. Donc, si tu te retrouves dans l'une des conditions, mais dans l'un des cas, sois heureux. Alléluia. Si tu es blanc, sois heureux. Si tu es noir, sois heureux. Si tu es riche, sois heureux. Si tu es pauvre, sois heureux. Si tu es aveugle, sois heureux. Alléluia. Amen. En tout chose, sois heureux. Alléluia. Amen. Parce que au ciel, il n'y a pas de feu. Est-ce que vous comprenez maintenant? Au ciel, il n'y a pas de pauvre. Au ciel, il n'y a ni blanc ni noir. Pour qu'il y ait de différence. Et au ciel, nous sommes à la gloire de Dieu. C'est pour vous dire, lorsque la trompette va sonner, alléluia, alléluia. L'estropié va retrouver ses pieds. Alléluia. Amen. L'aveugle va retrouver ses yeux. Le paralytique va retrouver sa mort. Le mort va retrouver la vie. Et tous d'un coup seront transformés. C'est ça la bonne nouvelle. C'est pourquoi je veux être heureux. Tu ne peux pas entrer au ciel avec un pied. Non. Parce que dans la loi, la Bible dit qu'un handicapé ne peut pas entrer dans le temple. Dans le temple, en Israël, un aveugle n'entre pas dans le temple. Dieu va dire qu'un aveugle ne va pas entrer dans le temple. Toute personne qui a un défaut sur son corps ne va pas entrer. Mais si vous comprenez, ça c'est dans le temple en Israël. Hein. Alléluia. C'est dans le temple en Israël. Ça veut dire quoi? C'est pourquoi il y avait beaucoup de malades qui sont étalés devant le temple. Alléluia. Alléluia. On vous rappelle de cette histoire du Seigneur Jésus lorsqu'il était allé dans une ville qu'on appelle Bethesda. Alléluia. C'est pas grave. Jésus fera grâce. Amen. Alléluia. Amen. Jésus vous a envoyé cette télé comme ça, les télés chaud, chaud, chaud. Amen. On acclame le Seigneur. Augmente le son de la voix. Comment c'est là? Comment c'est ça? Quand Dieu a fait ça, la voix. Alléluia. Alléluia. Je vous disais,
Il y avait un monsieur d'Arlettin qui était au bord d'une piscine qu'on appelle la piscine de Bethesda. Ce n'est pas parce qu'il y a la piscine de Bethesda. C'était une histoire réelle. La piscine est encore en Israël. Alléluia. Amen. Ça fait partie des archives. Des preuves que Jésus-Christ existe. Alléluia. Ce monsieur, la Bible nous raconte son histoire. La Bible dit que c'est depuis 38 ans qu'il a ce problème. La Bible dit que quel était son problème. La Bible dit qu'il était un paralytique. C'est-à-dire qu'il ne peut rien faire sans quelqu'un. Ça, vous comprenez? Il ne peut rien faire sans l'aide de quelqu'un. Il ne peut pas manger sans l'aide de quelqu'un. Il ne peut pas faire ses besoins de toilette. Il faut toujours quelqu'un auprès de lui. Alléluia. Alléluia. Pour l'aider à faire quoi que ce soit. Il ne peut pas se laver. Il ne peut pas se déshabiller. Il était là. C'est que s'il prend, s'il reste dans un mouvement de gauche, c'est comme ça qu'il va rester jusqu'à la fin de la journée. Sans que quelqu'un le tourner. Alléluia. Il était comme ça, malheureux. Malheureux. Alléluia. Mais ce monsieur avait quelque chose de particulier. Il avait quelque chose. Que le Seigneur veut que nous nous inspirons de ce monsieur. La Bible dit que c'est depuis 38 ans. Il est dans cette vie. Et la Bible dit que chaque jour, toutes les fois, il venait à la piscine. Alléluia. Amen. Il venait en amener à la piscine. Le problème, c'est que cette piscine-là, la Bible dit que la première personne qu'on va jeter dans la piscine, la personne sera guérie. Quelle que soit sa maladie, si c'est une flèche qu'on envoie dans sa vie, Alléluia. Amen. À quand la fin de l'endettement? À quand la fin de mes pleurs? Alléluia. Amen. Ce monsieur avait une foi terrible. Et donc, Didi. Alléluia. Vous tout donnez quoi? Et chaque jour, il venait à la piscine. Parce qu'on avait dit qu'il y a un ange qui descend de temps en temps. Remuer l'eau. Et la première personne qu'on va jeter. Alléluia, cela guérit. Et là, moi, voilà que la personne est paralytique. Comment il va rentrer dedans? La personne ne peut pas marcher. La personne ne peut même pas se lever. La personne ne peut rien faire. Et on le mettait dans une natte. La natte a même vieilli. Alléluia. Amen. La natte a plus de 38 ans. Alléluia. La natte a fait baton. Et pourtant, il a changé plusieurs fois. Ce monsieur était là. Couché sur cette natte sale. Alléluia. Amen. Il était assis. Il attend. Il attend. Hello. Qui va le jeter en premier? Alléluia. Et un jour, dans sa situation, la petite qui va croiser un monsieur, il va croiser un homme. L'homme qui va croiser ce jour-là, la petite a dit que sa vie a changé. Sa vie a changé. L'homme l'a croisé. Et dit, veux-tu être guéri? Veux-tu être
est guéri. Adam a son boya. L'homme ne lui a même pas demandé quel est ton nom. D'ailleurs, quand tu as mis l'homme, l'homme n'avait pas dit qu'est-ce que tu as. Il a dit simplement, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Veux-tu sortir de cette situation? Veux-tu avoir la main de Dieu dans ta vie? Alléluia! C'est ce que l'homme a dit. Mais, le paralytique, il fallait qu'il dise ce problème. C'est sa situation, c'est que. Il veut enlever ça. Et là, il faut que ça sorte de son cœur. Il m'a dit, tu sais, à toi, je n'ai personne. Il doit me jeter dans l'eau. Et là, Alléluia. Il n'a pas dit, mon frère, il n'a pas dit ça. Veux-tu être guéri? Alléluia. On t'a pas dit, si tu as quelqu'un bas. Et là, Alléluia. Vous voyez? Et la Bible dit, lorsque Jésus va, croiser cet homme, l'homme là, on le mettait sur la natte. On le mettait sur son problème. Son problème le transportait. Alléluia. Sa situation le guidait. Mais le jour là, à moi, c'est lui qui a pris le problème. C'est lui qui a pris la maladie. Il dit, va montrer la maladie aux gens. Va le montrer. Que ce que Dieu a fait pour toi. Voilà ma maladie. Et voici moi-même. Quelqu'un est venu me séparer de cette maladie. Et voici la preuve que je suis délivré. Amen. Alléluia. Ton problème là, c'est toi qui vas le prendre aujourd'hui. Amen. Ton problème là, c'est toi qui vas le prendre aujourd'hui. Ta maladie là, c'est toi qui vas la prendre aujourd'hui. Le sorcier qui est donné ta vie toujours, c'est toi qui vas le poursuivre. Alléluia. Ceux qui te poursuivent dans ton sommeil, c'est toi-même là qui vas te retourner contre lui. Mais tu vas le déchirer. Alléluia. Amen. Mais comment cela est possible? Non. Comment cela est possible? Toi qui étais poursuivi, toi qui n'avais aucune force, on t'a dit que d'un coup, tu vas les chasser. Ceux qui te poursuivaient, d'un seul coup, tu vas te retourner. Alléluia. Et tu vas les chasser. Tu vas le chasser. Alléluia. Amen. Cette maladie, tu vas te retourner. Et tu vas maudire la maladie. Et la maladie va disparaître. Amen. Mais comment cela est possible? Amen. Comment cela est possible? Nous allons lire cette histoire. Alléluia. C'est une histoire que beaucoup connaissent déjà. Luc. Le chapitre premier. Le thème de mon message, c'est vivre par la puissance du Saint-Esprit. Quoi? Vivre par la puissance du Saint-Esprit. Vivre par la puissance du Saint-Esprit. Le message de ce matin, c'est ça. Vivre par la puissance du Saint-Esprit. Il ne peut pas parler de lui-même. Il ne peut rien dire de lui-même. C'est tout ce qu'il aura entendu qui viendra me communiquer. Donc Dieu te salue ce matin. Le Seigneur Jésus te salue ce matin. Tu n'es pas n'importe qui. C'est pourquoi le roi te salue. Le roi te salue ce matin. Tu te lèves ce matin, bon matin. On dit que le président Talon te dit, je te salue mon frère. Alléluia. Acclamons le Seigneur Jésus. Quelle salutation. Donc le président, qui, dans tout le monde qui est tombé là, c'est moi qui ai tombé. Ah, il est démon. Qui? Oui, il même toi te mettre à genoux. Hein? Tu as dit ce que c'est vrai. Le président m'a salué. Donc je ne suis pas n'importe qui. Oui, mais le roi, quoi? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Il dit, je te salue. Alors, Jésus te salue. Amen. Dis à ton frère, Jésus te salue. Donne-moi la part, Jésus. Jésus. Le roi te salue. Le roi te salue. Le roi de gloire te salue. Le Seigneur de tout lieu te salue. Salutation de Dieu. Donne-moi ma haute. Dieu te salue. Maoulou peut donner une salutation. Dieu se peut donner une salutation. Une considération. À quoi qu'on dit, un roi, un grand roi. À quoi sont d'accord? La Bible dit autour du trône, il y a le feu. Son trône est tellement élevé. Et il dit seulement les anges ne peuvent pas le voir. Angèle, c'est moi. Parce que la gloire qui descend, qui goûtant, c'est comme un feu qui brûle. Même t'as dit, non. Et personne ne peut s'approcher de ce bon, trône. Personne ne peut s'approcher de ce feu. Mais même c'est comme pourquoi il dit que personne ne me verra. Non, celui qui va me voir mourra. Mais celui-là qui est au milieu de ce feu descend pour te saluer. Toi. Quelle considération. Et à quoi qu'on était à tu es très précieux dans la maison. À quoi le mal c'est nous. Tu n'es pas n'importe qui. Aïe, mais dis à ton frère, tu n'es pas n'importe qui. 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 Le roi s'est souvenu de toi. Eh, à quoi tu as fait, oui. Le gouverneur s'est souvenu de toi. À quoi tu as fait, oui. Si le roi. Nous, à quoi tu te salue. Et toi, Benoît. Donc, je peux demander au roi tout ce que je veux. Ou bien, si le président, je vais pas le maire, vous voulez le président. Le président talent. Tu m'as tout Benoît. Dorcas. Dorcas, tu te Benoît. Dorcas, je te salue. Dorcas, tu te Benoît. Esther, je te salue. Esther, je te Benoît. Alléluia, Jean-Baptiste, je te salue. Jean-Baptiste, je te Benoît. C'est pas, je te salue. Alléluia. Silas, je te salue. Amen. Samuel, je te salue. Alléluia. Alléluia. Amen. Et... Hmm. Tu as dit, mais c'est quelqu'un qui a porté mon dossier vers le président. Oui, effectivement, quelqu'un a porté ton dossier vers le président. Quelqu'un a plaidé pour toi. Alléluia. Et le président, il dit. Allez dire à ce monsieur que moi, le président, le roi, le chef, je vous souviens. Voilà Jésus. C'est très important. Quoi? C'est ce que vous êtes, vous ne savez pas. Mais Satan veut vous faire montrer le contraire. Mais Satan, il a fait mal à quoi. Bon, pas l'incrédulité, bon, pas les problèmes. Bon, vos problèmes ne sont pas la vérité. La vérité est que Dieu te salue. Amen. Les réalités, c'est que tu es malade. Bon, alléluia. Entre les réalités et la vérité, qu'est-ce qui est solide? Qu'est-ce qui ne change pas? Dites-moi, entre les réalités et la vérité, qu'est-ce qui ne change pas? Qu'est-ce qui ne change pas? C'est la vérité. La vérité ne change jamais. Mais les réalités changent. D'un instant à un autre, elle change. Alléluia. C'est pour te dire en un mot, ne regarde pas les réalités. Mais vois la vérité. Qui te dit je te salue? Je te salue. Jésus te salue. La salutation de Dieu, c'est la paix de Dieu. La consolation de Dieu. La salutation de Dieu, c'est la force de Dieu. Alléluia. Tous ceux qui ont rencontré Dieu. Mais vous voulez que moi. Dans la parole. Pourquoi? A commencé même par Adam. Alléluia. Mais merci d'Andy. Jusqu'à Abraham. On a vu que leur vie a changé. Alléluia. Quand Dieu a rencontré Noé. Noé, la vie de Noé a changé. Noé, c'est Béli. Alléluia. Quand Dieu a rencontré Abraham. Sa vie a changé. Quand Dieu a rencontré Gédéon. Sa vie a changé. Alléluia. Donc, lorsque la salutation de vienne, ta vie change automatiquement. Je te salue. Non, oui. Non, entra chez elle. Oui. Et dit, je te salue. Je te salue. Toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Une grâce a été faite. Toi à qui une grâce a été faite. La Bible dit, il y a une grâce qui a été faite pour toi. Et l'ange est venu te rappeler ça. Si tu veux, je vais prendre tous les hommes du président de la République. Comme ça, c'est pas ça. Il y a des, il y a quoi, ouais, il y a tout gâteau.
Le président dit, je regarde, il dit, toi, Jean, Jean, une grâce a été faite par mon gouvernement. Mon gouvernement t'a fait une grâce. Vous savez ce qu'on avait dit grâce? Vous savez ce qu'on appelle grâce? Une grâce. Aidez-moi. Une grâce, oui. Une grâce, c'est une faveur non méritée. Voilà, merci que le Seigneur te bénisse. Acclame le Seigneur, vous savez. C'est une faveur non méritée. Tu n'as rien fait, mais on te donne ça. Tu n'as rien fait, on te donne un hectare de terrain. Tu n'as rien fait, on te donne une belle maison. Tu n'as rien fait, on te donne la santé. Tu n'as répondu que tu iras au ciel. Comment? Moi, ce pécheur. Oui, tu iras au ciel. Ta place est là-bas. Tu mets le temps. Là-bas, on t'a construit une belle maison. Mais qu'est-ce que tu veux ici? Alléluia. Amen. C'est ça qu'on appelle la grâce. Bien aimé, tu as reçu une grâce. Tu as reçu une grâce ce matin. Amen. Et l'ange vient te communiquer la grâce. Bon, Angalo, sors des inquiétudes. Alléluia. Sors des soucis. Ne promène plus des regards inquiets. Ne te soucie plus de ce que tu vas manger. Ne te soucie pas de comment les enfants vont être éduqués. Ne te soucie plus de leur contribution à l'école. Ne te soucie plus de comment le propriétaire va frapper la porte. Parce qu'il y a une grâce qui t'a été faite. La santé de ton enfant, laisse la grâce de ton enfant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi à qui une grâce a été faite? Oui. Troublez pas cette parole. Troublez. Voyez. Et Oulu. Voyez, il a été troublé. Quelle est cette salutation? Est-ce que c'est vrai ce que ce monsieur me dit? Quelle grâce qui a été faite pour moi? Vous savez, chaque année dans un pays, il y a ce qu'on appelle la grâce présidentielle. Chaque année. Souvent, on le fait lorsque on fait la fête nationale. Alléluia. Donc, le président fait une grâce particulière. Alléluia. À des prisonniers. Alléluia. Chaque année, le président le fait. Regardez bien. Oh, Seigneur, je te bénis. Alléluia. Il dit chaque année, le président fait une grâce particulière aux prisonniers. Les prisonniers, ils sont condamnés à rester en prison. On dit que tu as fait 25 ans en prison. Alléluia. Mais le président dit cette année-là. Donc, tu vas sortir de la prison. Et il prend le décret. Et il dit Jean, j'ordonne que tu sors de la prison cette année. C'est ça la grâce. Ça se fait oui ou non? Les hommes le font oui ou non? Si les hommes le font, en plus fort de raison, Dieu ne le fera pas. Ne le fera-t-il pas? Dieu ne va pas attendre un an pour le faire. Non! Dieu ne va pas attendre un an pour le faire. Il dit qu'il a ce pain. Donc l'enfant lui demandait du pain. Il dit, papa, donne-moi du pain. J'ai faim, papa. Et le papa lui remet du calme. Ou bien lui remet du plat vide. Quelle que soit la méchanceté de notre cœur, nous ne donnerons jamais ces choses à nos enfants. Mais assez de mon côté, nous finissons avec bien. Amen. Alors que le Père Céleste, celui qui a pourvu toutes choses, celui qui a créé les cieux et la terre, mais bro, celui qui a rempli la terre des richesses, mais ne va-t-il pardonner à ses enfants, ceux qui le demandent? Si vous demandez, l'on vous donnera. C'est pas lui qui a dit ça, mais il y a de moi. Demande! Ni bien. Tu vois. C'est ça. Marie a été troublée. Marie est où? Elle a été troublée. Et où? Il a été troublé. Et où? C'est ça. Ne sois pas troublé. C'est une bonne nouvelle. Faut pas douter. Pas dire que la prédication me dit comme ça. Non. Marie a plus dit que ça. Alléluia. Ne sois pas troublé. Faut pas être troublé. Gloire à Jésus. Alléluia. Ne sois pas troublé. Maoulou. Alléluia. Amen. C'est vrai.
La bonne nouvelle, c'est vrai. Ce que je te dis, c'est vrai. Il y a une grâce qui est faite pour toi. On dit qu'aujourd'hui, la grâce a été signée. La sortie de grâce. Le décret a été pris, dit, je ne révoquerai pas mes arrêts, ni mon décret, parce que je l'ai décidé. Ainsi par l'Éternel. La bouche de Dieu a parlé et j'agirai ainsi. Amen. Tu ouvrais pas cette parole. Oui. Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Elle dit, quelle signification cela pourrait-elle porter? Tu te lèves bon matin, tu vois des camions devant ta maison. On dit que oui, le président est de t'offrir toutes ces choses-là. À fond, ça peut pas m'aider. Vous n'avez pas trouvé par hasard. Le président, le président, le on dit chez nous, dans un domaine, c'est ça, dans un domaine. Ou bien c'est pas dans ici, c'est deux. C'est Dieu lui-même. Alléluia. C'est Dieu lui-même. C'est pas le premier de parler. That's why. Alléluia. C'est ça, ça va arriver. Je sais que ça va arriver dans cette personne. Amen. L'ange lui dit, ne crains point. Ma question, faut pas craindre. Marie, ma question, ne doute pas. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Alléluia. Toi qui es ici en ce moment, toi qui entends cette voix, la Bible dit que c'est une bonne voix que tu entends. Et tu entends cette voix au bon endroit. Donc là où tu es au bon endroit. Tu es dans le vert pâturage. Tu es avec le bon berger. Alléluia. Même qui t'amène. Alléluia. Dans le fait pâturage. Il doit aller à Mazoutin d'Abbé. Amen. Faut pas te. Faut pas douter. Non, ne regarde pas ce que tu as. J'ai fait. Tu n'as pas fait. Tu as fait de la promesse. Alléluia. Tu as fait de la promesse. Tu as fait de la gloire de Dieu. Tu as fait de Jésus. Tu as soif de Jésus. Tu as soif de voir la gloire de Dieu dans la vie. C'est cette faim, cette soif que tu as. Tu n'as pas la soif, la faim du ventre. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et voici. Et voici. Tu deviendras enceinte. Hey. Les gens seront enceintes. Les gens seront enceintes ici. Amen. Les gens vont porter des grands projets pour ce pays. Amen. Les gens vont porter des grands projets pour cette église. Amen. Oh, des puissants dons vont se répandre dans cette église. Amen. Qui sera enceinte? Quand on dit enceinte, vous pensez seulement ces bébés, il faut C'est pas ça. Alléluia. Amen. Tu seras lancé. Tu vas porter des grands projets. Jésus est venu déposer quelque chose en toi. Alléluia. Il est venu déposer quelque chose de Alléluia. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Mais sur ton ventre, sur ta tête, ou n'importe où tu veux. Si ça va, si c'est sur ton ventre, tu veux. Mais c'est sur tout le corps, là, mets ta main sur ta tête. Je proclame. Mais je déclare. Je suis enceinte. Au nom de Jésus. Je suis enceinte d'un grand projet. Je suis enceinte. Oh, du grand destiné. Commence par proclamer. Proclame. Je suis enceinte d'une gloire. Je suis enceinte d'un grand succès. Je suis enceinte, oh, d'une grande vision. Commence par prier, Je suis enceinte, je porte une grande vision. Je porte un grand projet. Je porte la puissance de Dieu. Je porte la royauté de Dieu. Je porte une grande puissance. Au nom de Jésus. Amen. 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 Tu es enceinte. Et tu vas accoucher bientôt. Tu vas accoucher bientôt. Amen. Les gens vont dire, comment il a fait? Tu n'es pas allé à l'école. Et tu as construit des choses là. Tu n'es pas allé à l'école, tu es allé là-bas. Oui. C'est ce qu'il a dit à Marie. Moi, je vais me marier. Marie, tu t'as enceinte. Même toi pour nous.
Comment tu as fait? Non, mais bon. Oh, bien, tu as des gris-gris. Ah, bon, ouais. Mais tu es rentré dans quelque chose. Ah, bien, des merveilles. Alléluia. Les gens vont te poser des questions bientôt. Mais là, ils vont te poser des questions bientôt. Dans quoi tu es rentré? Moi, pensais que tu es fini pour toi. Mais là, moi, je me conforme à tout. Tu sors avec un changement qui nous étonne. Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Marie avait porté quelqu'un qui est le plus grand de tous les temps. Marie m'a donc obéi, il y a bien. Et je crois Marie voulait porter le sauveur de toute l'humanité. Si tu portes ce genre de sauveur dans ton ventre. Alléluia. Tes entrailles sont bénies au nom de Jésus. Tous ceux qui sortiront de ta maison sont bénis au nom de Jésus. Tes projets repèlent vie au nom de Jésus. Je proclame ce matin la vie à tes projets. Je proclame ce matin la vie à ta vision. Je proclame ce matin la vie à tes rêves. Au nom de Jésus. Amen. Continue. Et il sera grand. Il sera grand. Voyez maintenant. Il sera grand. Ton projet sera grand. Tu seras grand sur cette terre. Tu seras grand dans le royaume. Amen. Tu seras grand dans le royaume. Amen. Tes limites seront à l'infini. Amen. On ne pourra même pas compter tes rejetons. Amen. On ne peut plus compter tes enfants. Amen. Ils sont tellement nombreux. Celui-ci dira, je suis de l'Éternel. Tel ou tel servira le vrai Dieu. Alléluia. Amen. Et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Tu vois maintenant la promesse de Dieu? Il dit qu'il va te faire asseoir sur un trône. Amen. Il va te faire asseoir sur un trône. Amen. Tu vas t'asseoir sur tes ennemis. Amen. Il fera de tes ennemis ton siège. Amen. Tu vas t'asseoir sur leur tête. Amen. Tu vas dominer sur eux. Amen. Remplissez, soyez féconds et dominez la terre. On domine lorsqu'on est établi sur le trône. Et je proclame ici que vous dominez sur tous ces. Vous dominez sur les arbres. Vous dominez sur les vents. Vous dominez sur le soleil. Vous dominez sur la lumière. Vous dominez sur tout ce qui sort. Au nom de Jésus. Il règnera sur la maison de Jacob, voilà, éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Amen. Continue. Marie dit à l'ange. Voilà la question. Il dit ange. Tout ce que tu as dit, bon, toi que moi je crois. Je crois, j'ai foi. J'ai une question pour toi, ange. Je peux te poser une question, ange? Est-ce que je peux te poser cette question? J'ai reçu. J'ai une question. Est-ce que tu me permets de me poser la question? Alléluia. L'ange dit, pose ta question. Marie dit à l'ange. Comment cela se fera-t-il? Toutes ces choses-là. Comment cela arrivera? Comment cela va arriver? Comment nous allons veiller sur Zé? Comment nous allons marcher sur la sorcellerie à Zé? Comment nous allons écraser les sociétés de Zé? Comment nous allons régner ici? Comment nous allons libérer les captifs? Comment nous allons appeler? Comment nous allons faire pour que les vaudous viennent adorer Jésus? Les vaudous viennent adorer Jésus. Comment nous allons faire? Comment cela est possible? Nous brûlons leurs hôtels. Nous brûlons leurs couvents. Comment cela est possible? Comment? Ange Gabriel. Je sais que tu portes le message de Dieu. Je sais que Dieu te parle. Ange Gabriel, est-ce que tu peux m'aider à répondre à cette question? Comme ça, là, je serai satisfait. C'est l'inquiétude de Marie. Et l'ange n'a pas tardé. Qu'est-ce que l'ange a dit? L'ange lui dit,
Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut. L'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Ok. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme. Voilà. Je ne t'en mets pas là, je suis à feu. Comment je peux? On dit que je porte le grand projet en moi. Comment? Je suis dans une famille où personne n'atteint un certain niveau à l'école. C'est pourquoi moi j'ai abandonné l'école depuis ce couturier. Je suis soudain, je suis maçon, je suis menuisier. Alléluia. Je suis jardinier. Comment moi je vais voyager? Comment je vais aux États-Unis? Je n'ai pas de passeport. Alléluia. Voilà la question que chacun se pose. Tout ce qu'on a dit, comment cela est possible? Alléluia. Lorsque nous commençons par avoir cette mentalité, avec quoi? Alléluia. Ça montre qu'en réalité, Dieu veut nous dire, c'est pas toi qui vas le faire. Non, c'est pas toi. Alléluia. Là, je lui dis quoi? L'ange lui répondit. Le Seigneur viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. L'ange lui dit. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi ce matin, au nom de Jésus. Alléluia. Le Saint-Esprit viendra sur toi ce matin. L'Esprit de Dieu viendra sur toi. Et va produire la possibilité dans ta vie. Et va multiplier la compétence dans ta vie. Amen. Et la puissance du Très-Haut te couvrira. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Le Seigneur vient de nous montrer comment toutes ces choses vont arriver. Tout ce que nous avons entendu, on va faire ce soir comme ce soir comme ça. La Bible dit que cela est possible par le Saint-Esprit. Amen. Ça voudrait dire quoi? Mais qui est ce Saint-Esprit qui va rendre possible les choses que nous croyons impossibles? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus pouvait dire, je suis là. Dans le livre de Jean, Jean, il dit, mon Père agit. Je suis après. Et moi aussi j'agis. Moi, je suis après. Mon Père agit jusqu'à présent. Et moi aussi j'agis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et puis dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Oui, la puissance du Très-Haut. Il y a le haut. Donc toi, ta puissance viendra du Très-Haut. Qui va reposer sur toi. Qui va te couvrir. Et qui va te faire. Une femme ordinaire à une femme extraordinaire. D'un homme simple à un homme de puissance. Tout est possible par le Saint-Esprit. Enlever le Saint-Esprit dans l'action de Dieu, c'est rendre Dieu incapable. Enlever le Saint-Esprit de la guérison, du combat spirituel, de la délivrance, nous rendra vaincus. Alléluia.
La victoire est donnée par le Saint-Esprit. La victoire est donnée par le Saint-Esprit. Rien ne peut être possible dans le royaume sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le chef, le général. C'est le commandant en chef. C'est le patron lui-même. C'est le boss. Le Saint-Esprit dans le royaume. Dans le royaume de Dieu, celui qui agit, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Si vous n'avez pas la puissance dans le royaume, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, je ne peux rien. C'est quoi Jésus a dit? Vous ne pouvez rien sans moi. Vous ne pouvez rien sans moi. C'est impossible. Ta force ne peut pas combattre un sorcier. Alléluia. Ta force ne peut pas amener quelqu'un à la conversion. Non. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est pour ce matin. Le Seigneur veut que vous compreniez les réalités du Saint-Esprit dans votre vie. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas faire le dépouillement. Non. Quand on a enlevé les mèches, quand tu vois ça dans la chair, tu dis, mais c'est quoi quand le... C'est pas le dégât que les mèches. C'est même trop. Alléluia. On dit enlever ceci, tu vois que c'est trop. Et tu vois que le déploiement est compliqué. Le déploiement devient un fardeau pour toi. Alléluia. C'est parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Alléluia. Si tu as le Saint-Esprit, ces choses, tu vas vite t'en débarrasser. C'est pourquoi vous ne pouvez pas prêcher. Vous ne pouvez pas évangéliser les gens. C'est pas possible. Vous n'allez jamais les convertir. Vous allez beau parler. Vous allez donner beaucoup de sagesse, de connaissances. Mais ils ne sont jamais convertis. Non. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Il dit c'est le Père qui attire. Le Père, c'est le Saint-Esprit. Qui est le Père de Jésus? Qui est le Père de Jésus? Qui est venu mettre la grosse dans le ventre de Marie? C'est qui? Nous ne sommes pas, c'est fait. C'est qui? C'est le Saint-Esprit, non? Il dit le Saint-Esprit sera sur toi. Elle va te couvrir. Donc c'est lui qui va apporter la grossesse. Donc Jésus est issu du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est le Père de Jésus. Alléluia. Quand on dit le Père, c'est le Saint-Esprit. C'est quoi dit? On peut dire tout contre le Fils, tout contre le Père. Mais contre le Saint-Esprit, c'est grave. Il n'y aura pas de pardon pour vous. Alléluia. Tu peux traiter de Jésus de tout. Alléluia. Tu peux traiter de Jésus de tout. Même Saint-Esprit. Si tu fais erreur. Alléluia. De le traiter de n'importe quoi. Tu vas porter cette iniquité pour toujours. On ne force pas le Saint-Esprit. On ne le force pas. Alléluia. On ne le force pas. Alléluia. Amen. On ne force pas. On ne blesse pas le Saint-Esprit. Alléluia. On ne blesse pas. On ne parle pas mal au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit fait quelque chose dans votre vie. Vous savez, quand vous demandez pardon, il y a quelqu'un qui plaide toujours pour vous. Vous ne le savez pas. Il est repartait sans vouloir. Il a repris toute sa puissance. Alléluia. Donc, pourquoi j'ai déjà dit le bac de physique? J'ai la carte marchée devant moi. Alléluia. Amen. C'est pour ceux qui font ça, ce sont les idolâtres. Alléluia, ce sont les idolâtres. Parce qu'ils cherchent à voir Dieu qui va marcher devant eux. Et Dieu à qui vont dire je te salue. Toi qui es plein de ceci. Je te salue. Il est toujours comme ça. Alléluia. Amen. Tu fais comme ça, il est toujours comme ça. Amen. Tu le penses, c'est toujours comme ça. Alléluia. Amen. Ça c'est un Dieu. Amen. Ça c'est un Dieu. Amen. C'est un Dieu. C'est pas un Dieu. Alléluia. Il y a cette histoire qui a été chantée dans une chanson quand j'étais enfant. Bon, je ne vais pas chanter la chanson, mais je vais vous expliquer l'histoire.
Quand j'étais enfant, je l'avais tellement, je ne sais pas pourquoi j'aime la chanson. Tellement j'ai gardé les paroles. Alléluia. C'est l'histoire d'un prêtre de vaudou. Mais t'as vu le bon Dieu. Et il a ses fétiches. Mais le vaudou t'en est. Et sentant qu'il va mourir bientôt. Il va appeler son fils. Il va vite. Il va dire mon fils. Il va vite. Tu sais, à moi. Je vais bientôt mourir. C'est toi qui seras l'évité de mes vaudous. Je te confie maintenant mes fétiches. Les assiens, je te confie. Les bochiers, je te confie. Les sacbata, je te confie. Les dents, je te confie. Les kélessis, je te confie. Les legba, je te confie. Les sangbeton, je te confie. Alléluia! Effectivement, les jours qui ont suivi, le prêtre de vaudou est mort. Mais le vaudou le soit coup. Alléluia. Mais... Et voici les petits sont pleins dans la cour. Le vaudou n'est pas d'accord pour le bien. Alléluia. Mais... Partout le plein de vaudou. Donc, l'enfant prenait soin des vaudous comme ça. Mais un jour, quelque chose va se passer. Attends, qu'on lui a dit. Qu'est-ce qui va se passer? Il te l'a dit. Le jeune, l'enfant va regarder le ciel. Il va voir que le ciel devient noir. Alléluia. Donc il y a une grande pluie qui s'annonce. Bon, il commence par entendre la pluie du tonnerre. Alléluia. Donc il faut que, attention, il faut que Mélenchon range les fétiches. Alléluia. Donc le petit a quand même une certaine sagesse. Parce qu'il croyait en la puissance. Les fétiches. Et il va leur parler. Il va dire à ça fétiche. Tu vois que la pluie va venir. Mais il faut quitter là. Protège-toi. Il va parler à ça fétiche. La pluie vient. Protège-toi. Alléluia. Il parlait comme ça au petit quand la pluie a commencé. C'est qu'il y a une audace dans le quartier. Le petit est rentré dans sa chambre. Tu as déjà dit qu'il y a un quartier encore pour. Alléluia. Et la pluie a fait pratiquement une demi-journée. Tu es d'accord nous. Et le petit, il pensait au sort des fétiches. Viens, les fétiches ne sont pas rentrés. Où sont les fétiches? Alléluia. Et il va sortir dans l'eau. Et il va commencer par chercher, il va plus retrouver les fétiches. Il va trouver un bras quelque part. Il va trouver la tête quelque part. Il va trouver les autres quelque part. Et les caribous ont pris les fétiches et l'ont transporté. Tu vas quoi produire les caribous? Hey! Le petit dit, hey! Les fétiches ne sont pas capables. C'est comme ça le petit a été converti. Alléluia! Vous avez vu? Ils ont la bouche, mais ils ne parlent pas. Et de nous, et de voir. Ils ont des oreilles, ils ne parlent pas. Et de temps, je vais vous donner ce que je vois. Moi, je vais vous donner. Quand je vois Poto sur la voie publique comme ça, moi, je détruis. Je détruis. Mais je suis un destructeur ambulant. Au nom de Dieu. Alléluia. Je suis un destructeur ambulant. Je ne suis pas conseillé. Bon, oui, tu dis que tu vas m'empêcher de passer là. Car le passe qui va m'empêcher quelqu'un avec la. Je parle. Alléluia. Amen. Jésus a dit, vous avez reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, pourquoi pas tant que tu as dit, vous n'avez pas de problème. Alléluia. Mais c'est quoi? Non, mais vous allez. Les hôtels que vous voyez. Mais moi, on voit ça que les mêmes moyens. Ce qu'il faut avec lui, ça fait peur. Bon, dis mon cas, maintenant, donc, je vous dis la vérité. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. S'il y avait quelque chose, la chose a été parlée. Bon, nous, dès le final, nous sommes forts. Alléluia. Amen. C'est Jésus qui est fort. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis ceci. Il n'y a rien là. C'est le final. Alléluia. Amen. Pourquoi il n'y a rien? Le matin, il est là comme ça. Alléluia. Quelqu'un a pitié de lui, il baisse de l'huile rouge. Mais alléluia. Quelqu'un a pitié de lui, il met le cola là. Quelqu'un a pitié de lui, il baisse haricot. Quelqu'un a pitié de lui, il baisse farine. Et il est là. Comme ça, il ne mange pas. Alléluia, toujours comme ça. Toi, tu fais toutes tes pousses. Toi, tu vas manger dans les grands restaurants. Alléluia. Tu vas boire des belles boissons. Tu vas prendre le chemin de la maison. Tu vas passer par là. Comme le fils de roi. Tu vas voir le monsieur toujours là. Alléluia. Tu dis bonsoir, il téléphone même pas. Comment tu vas, il téléphone pas. Je te salue, il téléphone même pas. Pas, il téléphone même pas.
Et c'est dans ça les gens me comme là. Et peut-être que j'ai dit mais c'est ça. En réalité, c'est derrière. Il y a les pierres sèches qu'on voit, c'est les esprits. Et bien, il y a un coup d'eau qui peut m'envoyer le funé. Alléluia! Amen. Et c'est ça qui me le funé. C'est ça qui me met à vous faire peur. Et nous, elle nous a fait le si je n'aurais plus jamais peur de fétiche. Oh, non, 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 je n'aurais plus jamais peur de fétiche. Dans soi, il faut me mettre bébé. Jamais. Tu croises, tu as la chance. Bon, là, tu es bon, à d'autres arrêts. De croiser les autres. Bon, 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 s'appeler. À d'autres arrêts. On va parler, ce que tu parles. Dis-toi, esprit. Ouais, le qui est derrière ça là? Madame, j'allume le feu sur ta fesse. J'envoie le feu sur ta fesse. Que le feu d'Élie te poursuive. Alléluia. Plus personne ne viendra te consulter ici. Amen. La personne qui viendra se va tomber vraiment. Mais ne vous dites pas, mais donc vous dites qu'on a quoi? Faut parler comme Josué. Donc je joue là. Alléluia. Amen. Le diable, tu l'appelles l'ignorance. Maoua, vinoze et Kessi. Pour le moment, moi, si je veux prendre calebasse là, bon, bon, il faut bon, le sacrifice bon, au bon, bon. Calebasse, c'est que je t'y chère, donc moi, la colère, la colère, la violence est non, non, moi, je détruis, je le détruis, je le détruis, je le détruis. Alléluia! Viens le voir, ta vidéo. Il tient en haut. Amen! Il tient en haut. Il tient en haut. Allô, ben, tchèque, tchèque. Amen! C'est ce que j'ai dit en fait. Yes. Il a renversé les hôtels. Mais il bat, faut ça bien. Ah! Mais le ah! L'hôtel de balle! C'est toi, l'hôtel de balle! Tu as fait quoi? Ah, la Baudouin! Hein? Baudouin, oui! C'est que le soleil ne va pas se coucher aujourd'hui. Eh, voici, voilà, tiens-toi, toi! C'est déjà dit. C'est bien là. Les gars, si votre Baudouin là. Bon, tu as foutu, mais tu as quelque chose là. Mais il définit. Il se défend, le défend. Et celui-là, celui-là, il dit diable, il est sous ta main. Alléluia! Jusqu'à aujourd'hui, pas la plus parlée. Jusqu'à aujourd'hui, pas la plus parlée. Amen. 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 Alléluia! Amen. N'ayez plus peur de ces choses. Parce que vous marchez avec le roi. Amen. Vous marchez avec le lion. Amen. Ce que vous ne savez pas, c'est que ceux qui sont avec vous sont plus nombreux que ceux que vous. Mais Macron, pourquoi vous avez mais vous ne savez pas ce que le roi fait pour ses enfants. Mais à cause de ça, les hommes d'alors vont laisser son fils se promener comme ça. Mais il ne va pas lui donner les gardes corps. Vous pensez ça? Vous pensez ça? Et qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie des anges. Un autour de vous. Les deux tombent en l'air. Autour de vous. Quand vous marchez, soit avec vous. Mais les gens disent, allez, le programme. Il vous protège. Non, tu as mis. Il garde. Un chum. De peur que vos pieds ne heurtent contre une pierre. Bon, nous, la forme, tout le monde, barreau de l'air, rien de vous. Alléluia. Parce qu'il y a donné ordre à ces anges. Donc, quand on a pété à quel endroit, il y a un gars dans l'air. De vous protéger. De vous accompagner. De vous fortifier. Mais donc, quand même, maintenant. Alléluia. Ayez confiance au Saint-Esprit. Mais donc, d'autres idées, d'autres idées, les gens. Si tu as le Saint-Esprit, tu n'as plus peur. Tu n'as plus peur de sorcier. Ah, c'est toi. Le sorcier n'a aucun pouvoir. Ah, c'est toi, toi, c'est le pouvoir que vous leur donnez qu'ils ont. Si tu as peur du sorcier, tu lui donnes un grand pouvoir. Bon, allez, le sorcier n'a aucun pouvoir. Alléluia. Azéton, toi, tu es tia. Amen. Si tu es sorcier, tu es esprit, n'as aucun pouvoir. Alléluia. Amen. Tu n'as aucun pouvoir. Si tu as un pouvoir, il faut te montrer que j'ai un pouvoir. Lève-toi, dis que j'ai un pouvoir. Et on va voir si tu as réellement un pouvoir. Alléluia! Amen. Il faut que vous ayez le Saint-Esprit. Et Dieu, mais alors, bah oui. Lorsque vous avez le Saint-Esprit, vous avez l'assurance. Bah oui. Tu vas saluer. Mais donc, oui. Vous avez l'assurance de votre salut. Mais donc, quand vous avez l'assurance que vous n'êtes pas seul. Mais donc, quand Dieu est avec vous. Et si va arriver, que vous mourrez là. Quand vous mourrez avec Dieu. Comme Dieu ne meurt pas, vous ne mourrez non plus. Moi, quoi, je suis à quoi. Alléluia. Donc vous devez apprendre à vivre. Avec le Saint-Esprit. Mais avec la puissance du Saint-Esprit. En tout chaud désormais, quand tu veux prier, appelle le Saint-Esprit. Appelle-le. Dis Saint-Esprit. Saint-Esprit. Je n'ai aucun pouvoir. Je ne connais rien. Je ne sais même pas ce que je vais dire. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Mais toi, tu connais tout. La Bible dit que le Saint-Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Très con. Ma autant. Il sonde. Alléluia. Les profondeurs, c'est ce qu'ils sont. Alléluia. Amen. De Dieu. Toi, tu connais les profondeurs de Dieu?
Tu connais la profondeur de Dieu. Tu connais le cœur de Dieu. Il voit le cœur de Dieu. Il voit le cœur de Dieu. Amen. Je préfère avec, être avec le Saint-Esprit qu'être avec le chaud de ce monde. Regarde l'histoire de cet enfant. Il a parlé au fétiche de se protéger parce que la pluie vient. Ils ont des pieds, ils ont vu l'homme et n'ont pas pu marcher. Amen. Vous ne savez pas ce que vous êtes. Alléluia. Vous ne savez pas ce que vous êtes. Alléluia. Lis-moi ce que vous êtes. Et Genèse 9, verset 3. Écoutez bien ce que vous êtes. Genèse 9, verset 3. Je lis au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui meurt et qui a vie, nous servirons de la nourriture. Verset 1. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit: soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meurt sur la terre. On reprend doucement. Écoutez bien la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que vous avez accepté Jésus. Je me connais Jésus. Vous croyez en Jésus. Je me connais Jésus. Et Jésus a dit, personne ne vient à moi sans que le Père l'attire. Mais nous voulons accorder ça. Dans votre temps, Dieu m'entend. Avant que vous veniez à Jésus, c'est le Saint-Esprit qui est venu vous chercher. Vous venez, mais avant Jésus, vous avez le temps, vous avez le temps. C'est ce que vous voulez. Avant que vous ne veniez à Jésus, c'est le Saint-Esprit qui vous a cherché. C'est lui. C'est lui qui a commencé par vous parler. Il peut vous parler par la bouche des gens. Par la prédication, par l'évangélisation, tout ça. Par tous les cadeaux. Appeler n'importe quoi. L'internet, tout ce que vous voulez. Même la parole de Dieu. Alléluia. Et vous recevez cela. Vous recevez la parole. Oh, la parole a deux composantes. La parole a ce qu'on appelle l'esprit et la vie. Alléluia. La parole que vous entendez. Ce que vous entendez maintenant là. A deux composantes. Et toute parole a toujours deux composantes. L'esprit et la vie. Les deux sont liés. C'est comme une pièce de monnaie qui a toujours deux faces. Une pièce d'argent a deux faces. C'est comme ça la parole. La parole a toujours deux côtés. L'esprit et la vie. En réalité, c'est l'esprit qui produit la vie. Comprenez ce que je dis. C'est l'esprit qui donne la vie. Alléluia. Amen. C'est l'esprit qui donne la vie. Lorsque Dieu a formé Adam de la terre. Adam était juste un corps. Il était juste une boîte de terre comme ceci. Mais Adam n'était pas encore en vie. Mais comment payer? Alléluia. Amen. Donc qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé l'esprit. Et quand l'esprit est venu, qu'est-ce que Adam a fait? Adam est devenu un des grands vivants. Alléluia. Vous avez maintenant. Donc c'est l'esprit qui apporte quoi la vie au corps pour que le corps soit quoi vivant. Est-ce qu'on peut comprendre là? Amen. Donc l'esprit là qui prend la vie. On peut être en face d'un autre esprit. Mais non, non. C'est pas vous dire que toute parole a toujours deux composantes, l'esprit et la vie. C'est l'esprit qui donne la vie. Alors si l'esprit que vous recevez n'est pas le Saint-Esprit, vous n'aurez pas la vie. Donc on voit désormais quoi? L'esprit et la mort. Alléluia. La parole peut être l'esprit et la mort ou l'esprit et la vie. Alléluia. C'est pas lorsque le sorcier parle. Tout ce que le sorcier dit là, c'est esprit et mort. Vous comprenez? Parce que l'esprit qui est en lui, c'est un esprit de mal. C'est un esprit de méchanceté. Donc ce n'est pas un esprit de Dieu. C'est un esprit de Satan. Alléluia. Donc, lui qui parle,
Quand il te dit que tu es béni, alléluia. Ça, c'est ce que ça veut dire. Il n'a pas besoin de convertir ça comme ça. Parce que l'esprit qui en est, c'est l'esprit qui parle. C'est là, si vous comprenez. Tu peux ouvrir vos yeux sur cette réalité en fait. Tu joins l'énergie. La source ne peut pas devenir, je te dis la vérité. Parce que toi, c'est donner. Vous pouvez être contre moi, mais je vous dis la vérité. Mais c'est bien quand tu mets, pour le problème. La source ne peut jamais te bénir. Parce que toi, debout. Même s'il a la volonté, il ne peut pas te bénir. Bon, le terme de Dieu, c'est donner. Parce que la parole qui sort de sa bouche est esprit. C'est quel esprit? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Non, parce que c'est le Saint-Esprit. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et l'Esprit de Satan, c'est pas possible. Jamais. Le Saint-Esprit ne peut pas rester à côté de l'Esprit de Satan, c'est impossible. Soit tu es Satan, soit tu es le Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc quand il te dit que, oh mon fils, tu es béni, oh tes enfants vont marcher. Il dit ça. Et l'esprit qui est derrière, c'est l'esprit de mort. Donc ce qu'il dit là, va apporter la mort dans ta vie. Va apporter la maladie de blocage, tout ça dans ta vie. C'est pour Jésus que le Saint-Esprit, c'est lui qui vous amène à la conversion. Parce qu'il a donné une assurance. Alléluia. Donc, vous avez déjà le Saint-Esprit. Lorsque vous recevez Jésus, tout le monde a le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit que vous avez reçu, en réalité, ça qu'on appelle le sceau. C'est une marque qui est déposée sur vous. C'est une marque. Oh, la marque n'est pas la puissance. Alléluia, si vous me comprenez là. Vous me comprenez là. Lorsque vous recevez Jésus, vous recevez la marque, le sceau qui est sur vous, qui dit que vous êtes de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui a mis cette marque, qui montre qu'il est là. Mais il est là comme marque. Alléluia. La marque n'est pas la puissance. La marque n'est pas le pouvoir. Donc ça voudrait dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que je quitte l'étape de marque à l'étape de puissance. Ça, c'est ce que vous comprenez. Vous comprenez là? Est-ce que ça suit? Vous me suivez? Ça veut dire, lorsque vous recevez Jésus, l'Esprit de Dieu vient vous mettre un sous. Quand le diable vous voyez, c'est que vous là. Satan est mon mieux. Parce que vous êtes marqué. Tout le monde a cette marque. À part les sorciers. Alléluia. Tout le monde a cette marque. C'est écrit sur vous. C'est quoi le sang que Dieu vous identifie? Alléluia. Quand les gens voient la marque sur vous, c'est automatique, ils sont à côté de vous. Mais les sorciers n'ont pas cette marque. Donc quand les démons les voient, les démons les entourent. Les démons sont à leur service. Vous voyez comment les sorciers, eux, ils commandent les démons. Ils ont encore les démons pour détruire la vie des gens. Mais nous avons les anges qui sont là. Le pouvoir n'est pas diabolique. Dis à celui qui a que toi, le pouvoir n'est pas diabolique. Le pouvoir que le sorcier utilise là, c'est un pouvoir qui vient de Dieu. Le pouvoir que le sorcier utilise là, c'est un pouvoir qui vient de Dieu. Mais le pouvoir a été utilisé pour faire du mal. Lorsque je prends un couteau à la cuisine, le couteau. C'est une bonne chose, non? C'est aussi une mauvaise. Le couteau est une bonne chose lorsqu'elle est dans la main d'une bonne personne. Est-ce que vous me suivez là? Est-ce que derrière vous me suivez? Le couteau est une bonne chose lorsqu'elle se trouve dans la main d'une bonne personne. C'est que cette personne sera mieux utilisée le couteau. Mais le couteau est une mauvaise chose. Lorsque le couteau se retrouve dans la main. Alléluia, d'un fou. Si jamais tu as ton couteau, là mon divin, tu as commencé à l'homme, à l'antimère. C'est ça, non? C'est ça. Pourquoi? Parce que ce couteau-là va te faire du mal. Pas que c'est le couteau qui fait du mal, mais c'est la personne qui tue le couteau qui fait du mal. Donc le pouvoir n'est pas démoniaque. Quand le sorcier
disparaît à part elle. Bon, nous, à tout cas, vous, je ne vais pas vous enseigner tout ça. Alléluia. Alléluia. Vous n'êtes pas encore venu à ce niveau-là pour que vous soyez confus. Arrêtez ça de Dieu. Fifo, ça vient de Dieu. Dans la Bible, on a combien de cas comme ça? Il a disparu. Il a quitté, il a parlé dans l'air, il a fini, il a disparu encore. Si par exemple, vous voyez ici, vous voyez la parade, hé, sorcier, oh, tout le monde, on va déchirer la toiture, on va babatouiller ici. Ah, c'est ceci, ah, c'est ceci, c'est ceci, oh, c'est fou. C'est que si on vous explique l'origine du pouvoir, vous allez comprendre beaucoup de choses. Il y a deux dons de pouvoir. Parfois, aujourd'hui, on voit parfois, quand on fait comme ça, les gens, on fait comme ça, pff, les gens tombent. Mais il y a pas qu'un grand. On a tellement dit que c'est le diable, c'est vrai, c'est le diable. Mais ça vient de toi. Mais c'est dans la main des faux. La main. Mais toi, comment elle fait comme ça? Recevez les gens, on tombe, bah, boum, boum. Il a pris la chose. Et Satan utilise ça pour. C'est que pour bloquer. Alléluia. Les sorciers n'ont que pouvoir, tous les pouvoirs, ça vient de Dieu. Satan n'a rien créé. Satan n'a rien créé. Ce qu'il a créé, c'est le mal. Ouais. Il est l'auteur du mal. Il n'a rien créé. Alléluia. Calvache, ça, c'est pas Satan qui a créé. C'est pas Satan qui a créé Calvache. C'est ton Dieu, c'est ton papa qui a créé Calvache. Pas Calvache, jette. Alléluia. Amen. Tu peux amener Calvache, dit Seigneur. J'ai trouvé Calvache de sorcier sur la voie de ramener ça. Papa, c'est une offrande. On dit très bien. L'offrande, on va mettre ça sur l'autel. On va brûler ça à la fin du culte. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est capital. Là où tu es maintenant, tu vas demander la puissance. La puissance. Je vous ai dit que la puissance, quand elle va venir, si elle se trouve dans la main d'une mauvaise personne, ça va devenir dangereux. Donc c'est pourquoi le Seigneur aussi va travailler d'abord ton cœur avant de recevoir la puissance. Alléluia. Amen. Avant qu'un soldat ne reçoive de fusil d'armes. Soldat et tout le il doit être préparé où là? Sorni. Il doit être préparé là. Sorni. Ok, c'est le jour où on fait un concours là. Les routes en même temps, on les habille, on met Amalia dans la rue. Le temps qu'on met, attention. Hein. Hey, on a une menace pour le peuple. Alléluia. Il faut un temps de préparation. C'est ça qu'on appelle la repentance. La repentance. Lorsque vous repentez, lorsque vous abandonnez votre vieille homme, vos anciennes vies, l'esprit de main vient avec la puissance. Ça, c'est la puissance qui descend. Parce que vous devenez une personne sage maintenant qui peut utiliser la puissance de Dieu. Et c'est avec la puissance maintenant que vous allez adorer. Alléluia. C'est avec cette puissance que vous allez adorer. C'est avec cette puissance que vous allez prêcher. C'est avec cette puissance que vous allez évangéliser. Parce que pendant que vous évangélisez, la puissance guérit. Tous ceux qui ont accepté l'évangile et qui sont dans des situations difficiles. Comme ce monsieur que Jean et Pierre ont croisé à la porte de la paix. Dans Acte 3. Alléluia. Ce monsieur était l'important. Il était à l'entrée de l'arbre du temple. Il ne peut pas entrer. Alléluia. Amen. Mais quand ils ont croisé Pierre et Jean, il dit, mon ami, ce qu'on a te donné, ce n'est pas l'argent. Moi, là, on n'a pas l'argent. On a Jésus. Donc, ce que j'ai acheté tout le temps, et à l'instant, il dit quoi? Le monsieur s'est levé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté l'entrée du temple et il est entré désormais dans le temple. C'est ça qu'on appelle la conversion. La conversion amène les gens à Jésus. Et la conversion se passe par les miracles. Si ce monsieur n'avait pas reçu le miracle, il sera toujours à la porte, il ne sera jamais connu. Il ne sera jamais utile à quelque chose dans la maison de Dieu. Ils sont toujours en train de mendier. Ne sois pas des chrétiens mendiants. Alléluia. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu seras un chrétien mendiant. Priez pour moi. C'est la mendicité spirituelle. Priez pour moi. Ah, j'ai été attaqué.
Mi kolemi, je n'ai pas dit qu'on va pas payer pour toi. Mais ce n'est pas la peine. Faut quitter l'état de mendicité. Alors, l'état de mendicité. Alléluia!